Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de cette série sur KSP. Aujourd'hui, j'ai prévu de faire un grand vol, un très grand vol. J'ai décidé d'essayer de réussir plutôt, de faire une fusée qui va envoyer des sondes. Qui va envoyer une sonde sur la Lune, une sonde sur Minmus et une sonde autour de Kerbal, le Soleil. Donc, ce que je vais faire. J'ai déjà préparé la fusée, j'ai déjà fait des tests. Normalement, ça marche, hein. J'ai fait un test, ça marche. Mais après, est-ce que ça va marcher avec vous? Filmer et tout? Ceci la question. Donc voilà, on va quitter le centre spatial. Et ouais, putain, cette mission va être un peu difficile car avec les pièces que j'ai, ça c'est chaud, hein. Bon, on va charger la fusée. La fusée Mercury 2.0. Loud. Cette fusée est très grande. Très grande. Voilà. Le principe, c'est deux fusées Mercury avec quelques boosters qui portent une autre fusée Mercury qui porte une petite qui porte les trois sondes et plus le carbonaute là-dedans. Voici tout ça. Il y a beaucoup d'étages. Donc voilà. Ça, c'est fait. Normalement, ça marche. Normalement, ça décolle. Mais maintenant, il faut que ça marche. C'est parti pour le lancement. Ah là là. Bon. Préparation mentale pour cette opération. Le carbonaute est dans. Et ici, Jebediah est prêt à décoller. Nous préparons le lancement. 3, 2, 1. Zéro. Décollage. Ah là là, ces trois sons. J'ai mis des parachutes car au cas où je pourrais les ramener. Ce serait sympa. En soi. Parce que celle, je vais en poser une sur Minmus. Sur Moon, c'est sûr. Sur Minmus, j'hésite à. En fait, à. En fait, j'hésite à prendre ces deux-là et aller autour de Minmus. En plus. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Celle-là, elle va aller. Ah, j'hésite, hein, j'hésite. Il y en a une, c'est sûr, elle va autour de Carbo. Là, il n'y a pas à chipoter. Attention, je vais devoir larguer les boosters. Voilà, booster largué. Alors, il y en a une qui va autour de Carbo. Qui va envoyer un peu ça. Enfin, prendre et essayer de revenir. Lui, ça va aller sur la mune, je vais essayer de la faire atterrir dessus. Et toi. Toi, tu vas pas atterrir sur mine, sur Minmus. Tu vas faire un tour autour de Minmus et je te ramène. Et toi, tu vas. Je sais pas ce que tu vas faire, toi. Toi, on verra. Bon, 8000 mètres. C'est vrai que j'ai perdu pas mal de vitesse, mais maintenant, j'en reprends. Ouais, on verra autour de la Lune qu'est-ce que je ferai. Mais bon, vous avez à peu près compris l'idée. Hein. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Oh, j'ai. Putain, j'ai les parachutes ici qui ne servent strictement à rien à cet endroit. Comme ça. Boum. Et vous montez. Je vous mets un peu en haut, juste au hasard. 13 000 mètres. Ouais. On va un peu commencer à faire le petit virage gravitationnel. Sur 70. Parfait. Restez là. Bougez pas trop. Parfait. Alors, je monte où? 22 000 mètres. 23 500. Parfait. Combien encore de fuel? Ah, on va bientôt devoir les larguer. On va bientôt devoir larguer ça. Attention. Parfait.
J'ai largué le reste. Ici, on arrive à combien? 36 000 mètres, 37 000, 38 000. Faut qu'on aille au moins à 70 000 mètres. Et à partir de 70 000 mètres, j'entamerai ceci, l'orbite autour de Kerbin. Kerbin, Kerbal. Je sais pas en fait. C'est Kerbin la planète ou pas? J'ai soudainement un gros doute. Une, je sais pas. Je joue au jeu, je sais même pas le nom de ma planète. Ah là là, complètement con. Bon, 58 000 mètres. Mais ça va toujours pas là. Ah tiens, j'aimerais bien faire ça. On va se mettre, on va un peu commencer à faire ça. Voilà. 70 000 mètres, c'est parfait. Combien de fuel encore? Oh, ça va, j'en ai pas mal encore. On va un peu baisser ça. Parfait, 70 000 mètres. Bien. On redémarre le moteur à fond. Il y a un truc que je devrais faire et que je ferai en orbite. Dès que je suis en orbite, il faut que j'éteigne les batteries de mes satellites, de mes sondes. Ça ne sert strictement à rien. Bon. On va un peu essayer d'atteindre ce niveau-là. 50 secondes. Ça, c'est un peu pour me donner une idée de la puissance qu'il faudra pour mettre en orbite. Ouais, ça va, 1200, ok. Allons-y. Là, moteur à fond. Je vais le laisser, même si je le dépasse, je vais le laisser. Parce que là, normalement, voilà, là c'est 2 secondes, 1 seconde. Là, je suis sur le pile le point. Là, il sert plus à rien, mais en soi, ça m'aide pour savoir. Pour me donner une petite idée de combien de temps. Mais bon, soit ça demandera moins que le temps annoncé, étant donné que je vais pas aller directement à 277 000 bornes. Même si tôt ou tard, il faudra que j'y aille. Mais je préférerais partir de là. Pour après me diriger vers la Lune. Combien de fuel encore là-dedans? Ouais, ça, plus beaucoup. Plus beaucoup. J'aimerais bien qu'il puisse se mettre en orbite. Là, c'est, ça m'a l'air bon. Oui. Oui, c'est bon, stop, stop, stop. Parfait. Alors, ce que je vais faire là, c'est découpler ce truc-là. Et... Oh ouais, ça, j'en ai plus besoin. Et hop, largue-moi ça. Parfait. Ah, ça me consommera un peu moins. Il me reste combien là-dedans? Ouais, plus beaucoup. Juste de quoi me mettre un peu... De m'éloigner de la Terre, après il faudra que je compte sur mes propres moteurs. Allons-y, manœuvre. Bien, allez, vas-y, 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 vas-y. Encore, 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 encore. Là. D'accord, là ça va pas. Ah, ah, là j'ai un truc. Là c'est pas mal. Périapsis, c'est se trouve à 71. Ah, intéressant. Pas trop mal ça. Bon, après, je me retrouve dans une position totalement bizarroïde. Mais en soi, je m'en fous. Car avec ça, il me faudra pas beaucoup pour sortir de l'attraction de Kerbin.
crois que c'est Carbine la planète. Et il en faudra pas beaucoup pour que j'aille autour de Minmus. Et avec ça. Ah ouais, je pense que ça va le faire. Devrait le faire. Bon. Allons-y. Nous devons rattraper l'URSS et le programme de l'Okabéen. Nous devons le faire. Pour la Sainte Mère patrie américaine. 7 minutes, 6 minutes, 5 minutes. Alors oui, il y a un truc que j'ai oublié de faire, j'ai un peu moins d'une minute. C'est au moins arrêter ça, ça ne sert strictement à rien là. Allez hop, allons-y. Je vais en désactiver deux seulement là. Toi je t'en désactive deux aussi, non même quatre pour lui. Là. Là. On désactive aussi ça. J'ai combien? 23 secondes. Boum. Et reboum. Maintenant, ici, il faut que je tourne. Ou j'aille carrément à l'opposé. Je fasse un beau demi-tour. Encore un tout petit peu. C'était bon. Le réservoir est quasiment vide, il va se vider. Là, je monte, c'est parfait. Parfait. Bien, c'est bien tout ça. On va désactiver lui et lui aussi. Le reste, ça suffira amplement. Parfait. Ah! J'ai plus de carburant. Alors, on va découpler ça. On va activer celui-là. Voilà. Voilà. Parfait. Pas trop que je le dépense celui-là quand même. Attendez un tout petit peu. On va allumer tous les autres moteurs. Sinon, on n'aura jamais assez d'essence pour amener Jebedia. Comme ça. Comme ça. Voilà. Alors, allez, on va en orbite de la Lune. Parfait. On va un peu. Toi, on va shutdown. Pour un peu. Voilà, quand lui ce sera à 135, j'accepterai à nouveau de le remettre, mais pas maintenant. Ah, quoi, il n'y aura même pas le besoin. On va diminuer la vitesse parce que là ça va être de la précision. Parce que t'es là, toi, t'es là. Oh putain, non, ça va pas le faire là. Je vais arriver là. Ouais, bon, on va dire que c'est bon. On arrivera à une périapsis de combien? 132. Ouais, ça va, c'est correct. C'est correct. Combien d'essence encore dans ce réservoir? 137. 135. Parfait, c'est parfait. Bon, maintenant. Voilà, petite sauvegarde rapide.
Faut pas hésiter à en faire. Mais normalement, là, ça devrait être bon. Alors, à partir de là, il faudra que je largue toutes mes sondes autour de la Lune. Enfin, déjà, je vais en larguer une. Après, on en larguera les autres. On y va une par une, mais quand je serai autour de la Lune. Allez, c'est parti. On va faire un petit truc tout à fait au pif pour avoir une petite idée de quand, encore combien de temps il faut. Là, 9h. 8h. On peut voir que la vitesse diminue beaucoup, c'est normal, on arrive à quasiment l'endroit le plus éloigné de la trajectoire. 5h. 3h. 2h. Et là, attention, la vitesse va réaugmenter. Plus la peine de ce truc. Fois 100. Attention, là, c'est de la précision. Même si en soi, y a des missions qui sont beaucoup plus précises à faire. Là, c'est vraiment du base, de la base, de la base, de la base, de se mettre en orbite de la Lune. Mais ce qui diffère, c'est que moi, je veux déjà envoyer des sondes un peu partout dans l'espace. Je suis complètement paré! Déjà, on peut voir la fusée, la tête de la fusée quand elle avait au décollage, hein. Alors, on prend deux Mercury, et elles vont soulever une Mercury. Vous comprenez le principe? Bon. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Je te réactive. Toi, tu découples. Parfait. Parfait. Là, j'ai sélectionné cette fusée. Maintenant, ma mission, ce que je souhaite, c'est me mettre en orbite autour de la Lune. Ici, il faudra pas trop. Attendez, on va un peu essayer d'économiser le plus de carburant. Là. Parfait. Après, je pense que je vais laisser ça comme ça. Le reste, la fusée, de toute façon, elle ira en orbite autour de la Terre et à partir de là, je pourrai aisément aller sur Minmus et en orbite autour. Ouais, on va laisser ça comme ça. Si je vais faire un truc, un changement. Je vais faire un autre changement. C'est là déjà, je vais. Quoique non, c'est seulement un petit switch. Alors, où est-ce qu'elle est? Non, faut que j'aille sur M. Switch to. Voilà. Parfait. Je voudrais éteindre plus de batterie. Bah tiens, toi t'es vide. Ah bah j'ai bien fait d'en garder en réserve. J'ai mes deux batteries qui sont vides ici. Parfait, parfait, parfait. Donc on retourne sur celle-là. Maintenant, on accélère tout ça. On va accélérer un peu le temps. Ah zut, ça s'est pas mémorisé le truc. Ma mission. Non. Là. Parfait. Faut que j'arrive ici. 57 minutes. 54. 27 minutes. 20 minutes. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. 147. 143 mètres secondes, ça va. Boum. Maintenant que ça c'est fait, je vais réactiver une batterie. Alors ça sert strictement à rien de réactiver les autres. Alors où est-ce que t'es, petit point? Ici. Là, stop.
Là. On peut voir que là, ça est en train de se repositionner. Parfait. Bah, je voudrais bien revenir pile. Parfait. Boum. On ne touche à rien. On ne touche à rien. Ça, je peux le supprimer. Et maintenant, on va faire nos petits rapports. 15, ouais. Pas grand-chose. Maintenant que t'es en orbite, en fait, étant donné qu'il est en orbite et qu'il a encore pas mal d'essence, je vais peut-être le ramener. Je vais peut-être ramener cette sonde. J'ai suffisamment de parachutes à mon avis pour le faire. Mais bon, on va attendre, étant donné que là maintenant j'ai une sonde en orbite autour de la Lune, c'est parfait. Maintenant, on va retourner sur Mercury. Toi, par contre, il va y avoir du changement. C'est la bonne? Non, c'est pas la bonne, c'est pas le bon truc. C'est toi, je m'en fous en fait. Et ce qu'il me veut, c'est celle-là. Switch to. J'ai fait target, truc qui sert à rien. Ah, et par contre, ça c'est très désagréable, c'est le fait que je dois zoomer à mort. Ding 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 ding. Parfait. Maintenant, toi. Ce que tu vas faire en fait, ce qu'on va faire avec lui, où il va aller? C'est mon petit Jeb. Evey Report. Tu sélectionnes tout. RCS. Non! 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 Que t'arrive-t-il, Jeb? Putain, je suis pas doué pour ça là. Là, j'arrive à un truc. Oh putain, ça va être chaud. Oh putain, Jeb. Non, Jeb. Et là, c'est grand moment de suspense. Là, je sens que Alberich est fou de joie là. Oh, allez, vas-y, foire-toi, foire-toi, foire-toi. Non mais putain! RCS, s'il te plaît. Oh putain, le moment chaud. Ça, c'est le moment chaud de la mission, c'est... Vas-y. Oh putain. Vas-y, vas-y.
Oh! C'est fait! Non, Alberich, je ne suis pas mort comme un con! Ouh, c'était le grand moment de suspense. Jebediah va-t-il mourir seul dans le cosmos? Ou pas? Petit crew report, s'il te plaît. Parfait, on va tout stocker. Hein. On verra si on a assez d'électricité pour tout envoyer. Oh putain, le moment! Bon, ça c'est fait. Oui, un truc que je voulais un peu désactiver avant, c'est quelle batterie ai-je ouverte? Non. Non plus. Non. J'avais bien désactivé une batterie. Enfin, activé une batterie, justement, non? J'ai complètement oublié. Attends, bah c'est simple en fait. Bon, je peux rien manœuvrer, c'est-à-dire que je l'ai pas fait. Bon, accélérons le temps. On va se retrouver à nouveau en orbite du truc. Parfait, là je suis à nouveau en orbite de carabine. Alors, ici. D'accord, je voulais seulement vérifier si j'allais dans le bon sens. Parfait, là. Combien de... Oh, c'est quand même pas mal, hein. Bon, ça, ce sera pour aller en orbite, ok. Ici, il faudra que je largue une autre sonde. Dans 2 heures. Dans 2 heures, je largue une autre sonde. Non! Bon, j'ai un poil dépassé le truc. C'est pas grave. Ah, ça demande moins en plus. Bon. Allons-y. Découplons. Découplons, découplons. On va seulement activer juste avant ça. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Ben allons-y, changeons de module. Parfait, ce module c'est fait. Alors. Allez, vas-y, vas-y. Ah, tiens, t'étais en orbite de Kerbin, je crois. De Minmus. Parfait. T'as encore combien de fuel? Ouais, pas mal, putain. Ce serait génial que je puisse toutes les ramener après. Oui, attends, juste avant. C'est justement, ce serait bien, mais... Trop tard. Trop tard. J'ai pas appuyé, j'ai pas bien appuyé. Bien, ça c'est fait. Fais-nous tous tes rapports, mon cher. Oui, c'est vrai, il faut que j'active une batterie. Sinon, ça le fait pas. 275. Oh, ce serait trop génial que je puisse ramener tout ça. Iridium Mister Ego. 110. Boum, on ramène. Toi. Iridium encore pour ramener le reste. Et toi encore pour amener encore plus de reste. Parfait. Maintenant, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse te ramener. C'est ça, la planète, c'est Carbine. Bon, alors. Wow. C'est un peu à rien que je fasse ça, les mecs. Bah, super, je pourrais sans doute le ramener. Mais bon, j'ai largement le temps, non?
Enfin, largement le temps, non, en fait, j'ai qu'une minute. Ramène-toi, attends. Ouais, je pense pour une minute, ça devrait aller. Une minute. Encore quelques secondes. Non, on recule, on recule, on recule, on recule, on recule, on recule. Non, 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 non. Putain, non, 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 non. Putain, non, putain, c'est quoi ce bordel? Fuck! Bon, suite à quelques problèmes, j'ai dû reprendre une autre, la dernière sauvegarde possible, étant donné que je ne gérais plus la fusée. C'est, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai gros bug, gros problème. Ce n'était pas un fail, c'est un problème en lien avec l'ordi. Je ne suis en aucun cas responsable de tout ça. Bon, pour le moment, on va ainsi faire envoyer notre petite sonde en orbite de, bah de Carbol, hein. Je reviens à utiliser le moins de fuel possible. Non. Voilà, ça devrait être bon. Alors allons-y. 2 heures avant. 1h30. 30 minutes. J'ai pas envie d'appuyer un peu plus, sinon ça va être un peu trop rapide. Là, c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Bien, on va ainsi à nouveau larguer. Toi, je te largue. Parfait. On prend celui-là. Alors, ici, nous, on va partir vers l'infini et l'au-delà. Source. Allez, vas-y, 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 vas-y. Allez, vas-y. Tu vas sortir de carbine. Enfin, de l'attraction de carbine. Là, c'est bon. Là, c'est bon, t'es sorti. T'es sorti, c'est parfait. Enfin, tu vas sortir plutôt. On va à nouveau désactiver ça. Parfait. Maintenant, on va repasser là-dessus. Normalement, c'est bon. Un truc que je voulais vérifier, c'est ici, c'est les batteries. Normalement. Oh, ça va, j'ai plein de batteries. Et la sonde, elle a plein de batteries aussi. Elle a plein de batteries. C'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Bon, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah, il reste. L'autre, je m'en fous pour le moment.
Elle devrait sortir alors. Toi par contre, je veux que t'ailles autour de. Enfin vous deux, je veux que vous ayez autour de Minmus. Alors. Est-ce que vous arrivez autour de Minmus? Attendez. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux toucher, c'est ça. Alors. Oula, ouais, mais non, là, pas ça. Pas ça que je veux, moi. En fait, faudrait carrément que je me remette bien droit, parce que sinon ça va pas le faire. Attendez, recommençons. Recommençons. Anne manœuvre. Non, c'est pas trop ça. Non, pas ça. Si, si, c'est bien le beau, le rose. Non, c'est pas ça non plus. Fou 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 fou. Alors c'est plus, on va essayer par là. Ouais, non. Pas ça. Non plus. Recommençons. Là, ça va être un peu chiant. Alors. Ah là, on arrive à un truc un poil plus potable. Bien un poil. Ah, là, là, il y a un truc là. Il y a un truc à faire. Non. Oula. Non, c'est pas ça. Oulololo, c'est chelou là. Je me suis mis en. Ah. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Je touche. J'ai une touche là. J'ai une touche. Je me ramène à combien? Ou à 1300. Bah. En soi, c'est sans doute suffisant. 314, c'est correct. Parfait, parfait, parfait. Hop, on accélère le temps. 14 heures. Putain, là, j'ai le temps, là. 10 heures. 6 heures, 5 heures. Oh, l'âme! À peine une heure. Oula. C'était chaud, là. Parfait. 24 minutes. 9 minutes. Là, 7 minutes, 5 minutes. Quand je serai à 2, quand je verrai le 3 minutes. Là. Parfait. Maintenant, faut que j'active au moins une batterie. Non, toi t'es vide. Toi t'es vide aussi. Toi. Toi. Voilà. Parfait. Wallet. Wouhou! SAS, s'il vous plaît. Parfait. Là. Maintenant, allumons les moteurs. Les deux, c'est les deux qui s'allument. Parfait. Ça se remet un peu plus d'aplomb. C'est mieux là. Ça corrige le truc complètement loufoque que j'avais. Attention. On arrive. Génial. Génial, génial, génial. C'est parfait. On aura sans doute assez de fuel pour revenir après. J'espère, du moins. Alors, c'était quelle batterie que j'avais? Voilà, c'est toi. Parfait. Maintenant. Bah, c'est. Faut accélérer, quoi.
toi, en soi, je m'en fous maintenant. Et c'est parti. J'ai peur d'appuyer sur lui. Petite sécurité, je vais pas l'appuyer plus longtemps, sinon je risque de dépasser, ce sera horrible. Ce sera un pur cauchemar. Quand je serai en orbite, je profiterai pour voir si je peux directement rentrer sur Terre. Allez, encore tout petit peu. Là, c'est bien. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors, A de manœuvre. Oula. Ouais, là c'est d'accord, mais là je m'en fous. Ah, ça veut dire que je pourrais facilement arriver. Intéressant. Mais ça, je m'en fous là. Moi, ce que je veux, c'est rentrer. Est-ce que je peux rentrer directement? Non, je pourrais pas rentrer directement. Et en soi, même, c'est plutôt pas mal ce que j'ai là. Bon, on va pas trop toucher. Par contre, ce qu'on va faire, c'est ça, c'est préparer la sonde pour aller sur Minmus. C 180, c'est largement suffisant. Allons-y. 2 heures, c'est bon, j'ai le temps là. J'ai beaucoup de temps. Pour le moment, la mission se déroule correctement. Alberich doit être en train de dire oh non, il va pas réussir. Enfin, il va réussir, c'est trop triste. Enfin, ça peut encore foirer encore. Parfait. Parfait, parfait. On va activer une batterie avant, par sécurité. Là. Toi, tu restes tout seul. Et toi, par contre, je te récupère. Elle est là, la planète. Cette target. Et... Ok, je lui veux pas. Voilà. Non, c'est l'autre côté. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Le suspense est à son comble, va-t-il réussir? Ah ouais, c'est vrai que je suis un peu trop loin. Mais bon, pour le moment, on va rester comme ça. Parfait, là je suis en orbite, tranquille, je pourrais facilement... 54, c'est largement suffisant. Allez, on switch avec lui et on va essayer de ramener notre carbonaute. Le reste, on le fera en dernier. Priorité au carbonaute. Les sondes, de toute façon, de base, c'était à la base, c'était prévu que je ne puisse pas les ramener. Sauf pour le carbonaute, lui, je veux le ramener. Allez, vas-y. Parfait. Alors, ici, il faut diminuer la vitesse. Ce serait bien que je connaisse à peu près. Périapsis de 40. Super, super. Mais c'est génial ça. Carbonaute pourra revenir. Par contre, j'ai l'impression d'avoir fait une connerie. Du moins d'avoir oublié quelque chose. Bon, je vais récupérer ça. J'aurais peut-être dû récupérer le truc autour de Minmus. C'est con quand même.
C'est très con. Je veux revenir autour de Minmus. C'est très très con tout ça. Bon bah tu vois, Albiriche, hein, je me suis fail, hein, comme d'habitude. Donc on va essayer de revenir autour de Minmus. Faire un petit coucou à Minmus. Là, parfait, on revient sur Minmus. On va faire un peu de Mystery Goo et même de Matériel B. Tant faire du Matériel B, hein, de toute façon, c'est ce qui rapporte le plus. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il faut que j'active une batterie, sinon ça va pas le faire. Tiens. Là. Ici, tu es. Vas-y, vas-y. Parfait. Stop. On débranche la batterie. Laquelle c'est la batterie? C'est pas celle-là. Pas celle-là non plus. Pas celle-là. Toujours la dernière. Ça va toujours. Alors, c'est celle-là? Oui, c'est celle-là. Avant-dernière. C'était l'avant-dernière batterie comme d'habitude. Comme les poches. Toujours la dernière. Bien, 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 bien. Non, mais le carbonaute, il va en fait sans problème revenir autour de. Il va sans problème revenir sur Cap. Excusez-moi. Sur Carbine. Sans aucun souci, ce qui est génial. Boum. Hop. Le matériel B. On enlève. Observe. 100. Je vais pas cracher sur 100 là, 4 fois plus. J'hallucine. Crew report. Ouais, je pense qu'avoir suffisamment de batterie pour faire un petit crew report. Envoyé. Par contre, le carbonaute, je le sors pas là. Il reste à l'intérieur. Il n'y a pas à chier là. Tu restes. Il est. J'ai fait une connerie, je pense. Fait une connerie et j'ai pas envie de refaire une autre connerie. Observe Mystery Goo. 40. Voilà, c'est ça, 40. On va pas cracher sur 40 quand même. Allez, vas-y. Voilà, t'as pris les miettes. On va prendre encore une dernière miette. On va tout récupérer. Tout, 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 tout. Parfait. Là, ça c'est bon. Oui, bah normalement ça va. On va essayer de Périapsis, c'est ta. Ouais. Bon, on s'en fout en fait. Attends, 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 attends. La batterie en soi, on s'en fout, mais ce serait bien de la récupérer un peu. Voilà. Vas-y. Parfait. Maintenant. Wow. Pas de manœuvre. Maintenant, faut que diminuer la vitesse. 500, c'est trop. 230, c'est trop. Oh, en soi, je m'en fous un peu là. 94, c'est. Ça va, c'est pas trop difficile. 2 jours, 1 jour. Boum! Stop! 8 heures. 2 heures, 1h45. Là, c'est bon. Et après, les autres fusées, j'en ferai peut-être une. Vous présenter une, hein, et après, hein, on va pas le faire tout le temps, sinon. Ça va pas être drôle. Parfait. Ici, faut que j'active une batterie. Toi, je t'active. C'est ici. Et vas-y, vas-y, vas-y. Bah putain, il va tout faire là. 1500, 500, 300. Boum! Ah non, non, moi j'ai pas envie de d'être récupéré là.
Non, j'ai pas envie d'être récupéré du tout. Voilà. J'ai pas envie d'être récupéré par un quelconque truc. Truc bidule muche. Quoique par la lune, ce serait pas con. Je peux être récupéré par la lune en fait. Là, par la lune. Un petit coup par la lune. C'est à l'aller ou à l'arrivée? C'est à l'aller. Et après, je requitte. Parfait. Parce que je pense pas avoir fait les Mister Ego. Vous comprenez? Toc. On requitte tout ça. Oui, ça ne sert plus à rien finalement. J'avais perdu pas mal de vitesse quand même. En allant là-bas. Parfait. Nickel chrome. Allez hop. Mister Ego. Mister Ego. 30. Et le reste, et encore un peu de reste, hein, on sait jamais. Il m'en restera 2 pour faire ça sur Terre. Lors de l'atterrissage. Parfait. Eh bah c'est parfait tout ça, on va arriver là. On arrive. Faudrait peut-être activer. Voilà, on va activer un truc pour un peu freiner en soi. J'arrive vachement vite. Autant utiliser notre carburant qui reste. Et comme il y en a pas mal. Aucun souci. Putain, au début j'avais peur d'avoir un gros problème de carburant. Et maintenant je me rends compte que j'étais large. Large. Bon là je peux rien récupérer. Ouais, je pense que j'ai déjà récupéré celui-là. Bon, à 15G normalement le carbal il est mort. Normalement. Allez hop. Hein. Voilà. Voilà. Wouh! Réussi pour cette première partie de mission. Maintenant, il y aura toutes les sondes à récupérer. Tout, 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 tout. Bon, là, je suis pas encore arrivé. Kaboom, parfait. Moins de 900 mètres, moins de 800 mètres. C'est-à-dire que les parachutes vont pas tarder à s'ouvrir. Voilà, qu'est-ce que je disais. Et maintenant, je peux me poser sans aucun souci. Wow, J-Media, tu viens de faire un très long voyage. Il manquait plus que quitter, aller en orbite de Carbon, mais ça viendra bientôt. Avec une autre fusée, ou peut-être la même. Celle-là a montré qu'elle était très performante pour faire de longs voyages. Enfin, c'est même pas la fusée, c'est... C'est le reste. Yeah! Alors, est-ce que je peux faire des... Est-ce que je suis déjà allé dans un truc comme ça? Ah bah c'est parfait. Il reste des trucs à faire. Allez hop. Et maintenant, JBDE. UVA. Alors, take surface, parfait. IVA report. Parfait. Rentre dedans. Tu vas m'envoyer le data à lui. Lui, tu le gardes. Et tu ressors maintenant. Et tu récupères celui-là. Boum. Plus assez d'énergie? C'est bon là, je pense que t'as assez d'énergie. Et on envoie celui-là. Et lui, on le garde. Parfait! Je viens de remarquer qu'il manque un matériel B. Mon matériel B! C'est con. J'aurais dû mettre des parachutes dessus. Bon, on va déjà récupérer ça. Combien de sens avec seulement ce truc-là? 127. Ouais, pas mal, pas mal. Il a fait un grand voyage. Maintenant, il faudrait récupérer le reste.
Donc on va aller là-dessus, avec nos trois sondes. Alors on va prendre laquelle? Autour du Soleil. On va aller autour du Soleil. Bien. Allez, on recule. Hop, 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 hop. Carbine. Il faudrait qu'on y aille. Non. Ouais, là je pense que ça consomme un... non, quoi que ça va encore. Non, non, non. Non. Non, 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 non. Non plus. Il y a un truc. Non, ça va pas être facile. Être facile du tout, ce bordel. Il n'y a pas personne qui veut revenir. Non, 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 non. Si, on y est presque, important. Non. Ah, attendez, il y avait un truc. Ouais, je pense qu'en fait, ça, le reste des sondes, je vais le faire en off. Parce que là... là, ça va être très long de trouver le bon truc. Même parfois, faut pas le faire directement. Faut laisser tourner et voir si plus tard y a un bon créneau qui se présente. Hein. On peut pas l'avoir dès le début. Là, je suis un peu en train de toucher au pif. Non, là, y a rien. Je n'arrive à rien ici non plus. Bon, on va recommencer un nouveau truc. Ici. On est à 0,5. 0,4. 0,4. 0,0. Déjà là, on est un poil mieux. Là, on arrive à un truc très bien là. Ah, là, c'est parfait. Il n'y a pas mieux quand même. Non, je pense pas qu'on arrive à mieux. Donc c'est où? C'est là-bas. 23 jours, putain. Faut pas être pressé là. Parce qu'après, faut... d'accord, 23 jours, mais après, faut encore revenir ici. Waouh! Putain, il dure combien de temps leur mois sur Carbine? Parce que là, je remarque que si c'est 23 jours pour aller là à là, putain, qu'est-ce que. Leur année, c'est combien de temps? C'est 12 heures. Heures, 7 heures, 5 heures, 4 heures, 3 heures, 2 heures, 1 heure, 20. Hop, plus de 2 minutes. C'est pas grave. Alors, on va. À 2 minutes près, franchement, pour une telle distance, c'est que dalle. Ici. Là.
arrive. Allez, vas-y, 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 vas-y. Parfait. Fou. Désactivons ça. Et maintenant, on va profiter que tout ça soit fait pour faire tous les petits rapports. 275. Il est là, le Mister Ego. 110, non, déjà? C'est ça, 110, encore 110, enfin le reste du 110, enfin de tout le reste. Vous m'avez compris, j'espère. Si vous m'avez compris, bah désolé. Tant qu'en fait, ce que je vais expliquer, c'est que lorsqu'on prend. Vous voyez là, je récupère 110. Mais après, il y a encore ce petit truc qu'on peut récupérer. Mais encore après, je crois qu'il y a encore un tout petit peu qu'on peut récupérer. Vous avez compris? Bon, maintenant que ça c'est fait, faut laisser passer le temps. Avant d'arriver à ce niveau-là. Dans. Ah, encore 189 jours. Un peu lent, mais bon, là, je peux pas aller plus rapidement. Non, après, ce qui sera marrant, c'est quand on ira sur Duna ou Eve ou Mo. Ce sera marrant. Mais je pense que la fusée pour ça sera plus Titan. Hein. Là, Mercury, on a quand même pu voir qu'elle avait atteint un peu ses limites en termes de puissance, étant donné qu'il fallait 3 Mercury pour faire cette mission. Vidéo très longue, il y aura sans doute des coupures, des accélérations. Je sais pas, ce sera un peu au pif, hein, comprenez? Parfait, parfait, parfait. J'ai même pas de pub maintenant, je tourne. C'est con. 138 jours, on va accélérer soudainement là. Ouais, qu'est-ce que je disais? On accélère. Même si en soi, j'ai soudainement des doutes sur le fait de faire ça. Alors, reprenons, reprenons, reprenons. Parfait, parfait. Génial. Attendons un peu. Pour qu'on arrive au bon endroit. Un jour encore. Vas-y. 15h, 14h, 13h, 9h. Boum, j'ai dépassé, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon. J'ai à mon avis largement assez de fuel pour faire ça. J'ai dû oublier de l'enlever. Pas grave. Bon, reprenons. Là, c'est bon. Tic. Vitesse à fond. Là, ça bouge. Vas-y, vas-y. Tu peux le faire, Coco. C'est bon, là je suis quasiment en orbite. Ça y est, je suis en orbite. Donc on va un peu accélérer. On va continuer pour revenir. Si je pouvais revenir directement, ce serait pas con. Ce serait pas mal. Non, ça me plaît pas. Là, 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 là. Boum! Nickel, c'est nickel. C'est splendide. C'est parfait. Alors maintenant, accélérons. Et retournons sur Kerbin. Avec toutes ces expériences, c'est hallucinant. Ah là là, je sens Albériche vert de jalousie. Allez, vas-y, 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 vas-y. Combien d'altitude? Ah, je viens d'entrer dans l'atmosphère. Alors, il faudrait un peu. Non, bah, lui il est vide. Parfait. Là. Allez, moteur à fond. Putain. Une vraie météorite. J'aimerais bien atterrir dans l'eau, si possible. Ouais, je vais atterrir dans l'eau, ça va être splendide.
J'atterris bien dans l'eau, hein. Ouais, super. Dans tous les cas, j'atterris dans l'eau. Et ça, c'est cool. En plus, là, maintenant, étant donné que je vais atterrir dans l'eau, je pense que le niveau de la mer, ça va pas être trop dur à retrouver. Allez, vas-y. Allez, à 3000, on reprend. Non, même pas 2000. Voilà. On récupère. Ça sert en soi pas à grand chose. Mais c'est pas grave. Oula! Ouf! J'ai eu peur un moment. Putain, qu'est-ce qui se passe? Putain, qu'est-ce qui se passe? Allez hop, on arrive. Splendide. Mais c'est génial, c'est parfait ça. La mission là, déjà deux sondes, une sonde de récupérer, le carbone de récupérer. C'est génial. Alberich, la mission a été finalement un grand succès. Allez, on arrive, on va se baigner. Allez, vas-y, viens. Parfait. Récupérons le vaisseau. Combien d'expérience avec ça? Allez. 448,2. Boum. Bon, qu'est-ce qu'il me reste à récupérer encore? Sur la Minmus, il me semble que je dois atterrir. Et la Mune, revenir. Alors, orbite autour de Mune. Prenons. Récupérons, allons voler là-bas. Alors, ici. Observe avec matériel belge, on récupère combien? 75. Ouais, on va récupérer ça quand même. C'est. Après, on revient tout de suite. Ah, là par contre, il n'y a rien à qui récupérer. J'ai dû faire la razzia tout à l'heure. Ouais. Finalement, le reste, on va tout de suite la ramener. Allez hop. Là, c'est bon. Ramène-toi. Accélérons. Après, on pourra facilement revenir. Ça, c'est un petit truc, hein, franchement, que c'est trois fois rien que je ramène. Mais c'est pas grave, c'est toujours ça. C'est toujours 75. Certes, j'aurais eu plus en atterrissant sur la Lune, mais. Mais bon, hein, là, pour le moment, la mission est un franc succès. On peut faire mieux, c'est vrai, mais j'étais pas sûr de pouvoir redécoller après. Encore sur Minmus, hein, je pense que je peux. Mais là, j'ai vraiment des grands doutes. Vas-y. Sort de l'orbite lunaire. Parfait. Toi, ça sert à rien que je te garde. Parfait, là c'est bon. Vas-y, vas-y, la batterie, je m'en fous. Hein. J'ai encore deux batteries, je crois. Là c'est bon, je vais sortir. Bien. Maintenant, perdons la vitesse. Ah bah, plus de batterie. Dommage. Ah ouais, non, j'ai qu'une batterie en fait. En fait, j'avais qu'une batterie, les autres étaient déjà utilisés. Ok, j'ai fait une connerie. Bon, heureusement la connerie est pas trop grave, étant que j'en avais encore une de réserve. Mais ça a faussé toutes mes estimations. Largement assez d'essence pour rentrer. Ouh, c'était quoi le truc là? Ouh, hop. On part pas en orbite, on y retourne, on y revient. Wow, j'ai rien compris au truc. Allez, vas-y. Voilà, on va faire un truc plus potable. Non, 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 stop, 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 stop. Oh, je vais éteindre la batterie. C'est la dernière qui me reste. Je vais en prendre soin. Allons-y. Wow. J'étais trop rapide.
quoi le délire? C'est quoi le délire du truc? C'est... Je passe à 15 bornes, mais finalement je suis tellement rapide que je redécolle. Ouais, on va... Ah, j'ai reçu un message. Ça, je sais pas ce que c'est, j'arrive toujours pas à me souvenir du truc. Ouais, bah c'est la... Oui, il me faut la batterie. Elle est là, la batterie. Bien, maintenant là, je suis obligé de me stopper sur la planète. Cracher dans la planète, sur la planète. Allez, vas-y. Allez, on arrive. Quoi? What the fuck? Ça s'arrête pas tout de suite normalement. Ok. Bah dommage. C'est... J'ai pas compris ce qui s'est passé. Bon bah un crash. Voilà. Une de mes sondes a... Totalement foiré, j'ai pas compris. Oui, toi t'es où, Minmus? Non, ça c'est la mine. Minmus, où es-tu? Ah, elle est là. Ouais, je pense que celle-là, je vais la faire en off et on se retrouve juste après lorsque j'ai l'expérience. Allez, à tout de suite. Bon, je me suis dit que c'était quand même qu'il faudrait peut-être montrer un atterrissage hein, sur Minmus. Bon, après, est-ce que je vais me foirer? Est-ce que je vais me cracher? Ça, c'est, ça va être la question. Mais je pense que je pourrais éventuellement redécoller. Ça, c'est cool. Redécoller et repartir pour la Terre. Ce serait génial, ça. Ce serait le bouquet final. Ça achèverait Albirish. Allez, vas-y, 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 vas-y. Là, on voit l'ombre. Oula, c'est chaud là. Non, 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 stop. Ah, vas-y, vas-y, atterris, s'il te plaît. Non, 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 oui. Parfait. J'ai atterri sur Minmus. Oh oui, 125. Et ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool. Allez, vas-y, vas-y. Ouais, parfait, toi je le récupère. Toi, tu refais pareil. Et après, nous redécollons direction la Terre. Pour narguer Albirish, König. Ça, c'est parfait. On va un tout petit peu le narguer. Wow! C'est vrai que j'avais oublié que c'est là-dessus, c'est. Redécollons. Là ça va, c'est parfait. Maintenant, non, c'est l'autre sens. Faut qu'on se mette en orbite autour de ce truc, du caillou. Si.
Parfait. Maintenant, de ce caillou, faut que j'aille, que je sorte de l'orbite du caillou. Et si je fais ça, hein? What the fuck? J'ai pas demandé ça là pour le moment. Là, c'est parfait. Oh. Et là, je me mets en orbite du truc. Parfait. Je suis où? Je suis là. On va un tout petit peu désactiver la batterie. Voilà, comme ça. Là, j'y suis à 9 minutes, c'est bon. Vas-y, 7 minutes, 5 minutes. Allons-y. Parfait. Maintenant, remettons la batterie en marche. Là, c'est bon, ici. Allons-y. Sortons de cette orbite. Parfait. On quitte ça. Maintenant, on redésactive à nouveau la batterie. Parfait. On laisse passer le temps. Comme ça. Parfait. Maintenant, d'ici, je peux carrément y aller. Ouais, là, c'est trop. Là, c'est parfait. 202. Allons-y, hein. Pas de pitié. Partons directement. Retournons à la maison et récupérons cette science. Parfait. Parfait, parfait, parfait. On arrive. Génial. Redésactivons à nouveau la batterie. Et maintenant, laissons le temps au temps. On va seulement faire gaffe avant de revenir. Pour pas qu'on se crache à nouveau comme une merde. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Putain! Non! Ça c'est chiant, hein. Ça c'est très chiant. Dommage. Fini sur une défaite. Mais bon, ça montre que c'était possible. Donc il faudra que je reparte sur Minmus. C'est dommage. Que je reparte aussi et faire un petit tour sur la Lune. Bah normalement ça doit être faisable en une seule fusée. Mais bon, j'ai récupéré le plus gros, c'est ça c'est qui compte. J'ai récupéré le plus important, celle qui était en orbite de Kerbal. Donc voilà, on va aller au Space Center. Ce qui est très con. Ah putain, je suis vénère. Ça se voit pas, hein. Et si je dis que je suis énervé? Ça c'est bon là, ça vous a convaincu? 662. Putain, ça coûte 90. Eh ben, faudra que je réfléchisse qu'est-ce que je vais faire. Hein. Ouais. Le RCS, ça me paraît super bien. Ça aussi, ça peut être pas mal. L'électricité avec les panneaux solaires, ça, ce serait juste génial. Ça pourrait être sympa, le mobile. Faire un genre de petit satellite. Hein. Ça pourrait être pas mal. Ça, c'est pour faire des avions et récupérer toute la science autour de Kerbin. Enfin, sur Kerbin. Putain, il y a tellement de trucs à prendre. Je crois que je prenne ça aussi. Bon, allez, ça, on le prend. Comme ça, c'est bon. Donc, on se retrouve la prochaine fois où j'aurai choisi ce que je voudrais prendre, ce que je ferai avec tout ça. Avec ces 604 de science. Allez, salut et à la prochaine, en évitant les fails la prochaine fois. Allez, à plus les gens.